il faut rester célibataire. Il faut les jouer la vie, il faut rester célibataire en vérité. Il faut rester célibataire. Mon ami, si tu sais pas danser, va te coucher dans ta maison. En vérité, en vérité. Il faut rester célibataire. Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. En vérité, en vérité. Il faut rester célibataire. Moi, j'aime la rumba. Moi, j'aime danser avec Doudou. Doudou, il a la trompé, moi. Ou aller coucher ailleurs. Moi, j'aime la rumba. Moi, j'aime danser avec Doudou. Doudou, il a la trompé, moi. Ou aller coucher ailleurs, moi, rester malheureuse. Viens, Doudou, pour moi. Il a la trompé, moi. Allô pour moi, ton parti, moi, rester malheureuse. Oui, un doudou pour moi. Veuillez la tromper, moi, eh. Allô pour moi, ton parti, moi, rester malheureuse. Moi, j'aime la rumba. Moi, j'aime danser avec Doudou. Doudou, elle a trompé, moi. Cara Tati Johnson, bonsoir. Doudou, elle a trompé, moi. Ou elle est couchée ailleurs. Moi j'aime la rumba, moi j'aime danser avec Doudou. Doudou elle a trompé moi. Pour aller coucher ailleurs, moi rester malheureuse. Mais y'a Doudou pour moi, elle a trompé moi. A Doudou pour moi, ton parti, moi rester malheureuse. Mais y'a Doudou pour moi, elle a trompé moi. A Doudou pour moi, toi parti, moi rester malheureuse. Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. En vérité, en vérité. Il faut rester célibataire. Mon ami, si tu sais pas danser, va te coucher dans ta maison. En vérité, en vérité. Partagez le live, connectez-vous. Voilà. Je vais faire une petite directe de sensibilisation. Je vais parler très fort. Bonsoir, plantain tendu. Comment? Oui, ça a été la journée. Je vais parler fort. Bipez-moi les trois femmes vulnérables de la toile. Je vais donner leur nom. Voilà. Parce que quand moi, j'ai envie de sensibiliser, c'est pas un clash, c'est une sensibilisation. Je vous ai dit que je fais plus dans les clashs. C'est une sensibilisation. En tant que femme, je me dois de sensibiliser. Et je me dois de sensibiliser en tant que femme à la jeune femme, à la femme jeune. Voilà. D'ailleurs, j'en ai une à la maison. Donc, veuillez partager ce live, s'il vous plaît. Dites-moi les trois femmes vulnérables de la toile du moment. Du moins, du moment. J'ai nommé ici. La blogueuse compresseur. J'ai nommé ici Tatiana Corny. J'ai nommé ici Ushiga, reine des scarabées. Je vous ai dit, et je répète, c'est pas un clash. C'est un direct de sensibilisation en tant que femme. Partagez le live parce que je vais parler. Maïkobo. Maïkobo. J'ai parlé, hein? Partagez le live. Moi, j'aime la rumba. Moi, j'aime danser avec Doudou. Doudou, elle a trompé, moi. Ou elle est couchée ailleurs. Moi, j'aime la rumba. Moi, j'aime danser avec Doudou. Doudou, elle a trompé, moi. Ou elle est couchée ailleurs, moi, rester malheureuse. Il y a Doudou pour moi. Toi, elle a trompé moi. A Doudou pour moi, toi parti, moi rester malheureuse. Il y a Doudou pour moi. Toi, elle a trompé moi. A Doudou pour moi, toi parti, moi rester malheureuse. Si vous voulez
jouer la vie, il faut rester célibataire. Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. En vérité, il faut rester célibataire. En vérité, ma maman, où j'allais bien finir. Et racle les mines. Et à rouge, j'allais me goûter bien. Et à Djamdjam. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Allez, partagez. Le live n'est pas partagé. Pourquoi? Le live n'est pas partagé. Hein? On n'a que 10 partages. Et les 10 partages, la majorité des partages sont faits par moi-même. Targuer les gens partagés. Tandis que je tague. Hein? What is that? Why are you doing that? Call off people, yeah. I want to speak. Somebody there to direct. Y'a quelqu'un direct. Because I don't understand where I'm calling people. She are not coming. What? Hein? Somebody there to direct. Somebody can do it direct now. Hein? Call all people, all people, all people. Mais on a come. My daddy. Come in here. So, I want to sensibilize. I want to make some sensibilization. Because we have many, many young children shall come in. And we have the woman in the meta platform. She are not looking like she big woman. She are doing like a children, hein? Because she's not have, because they are not have a comment dire, confiance en soi. So. I want to speak. Vous tous qui êtes dans la fenêtre, la sortez des fenêtres, entrez dans le direct. Bijou Kwabo, sortez. Annette Nsama, sortez de la fenêtre. Je vous vois. Virginie Mireille, sortez de la fenêtre, entrez dans le direct. C'est un direct de sensibilisation. Partagez. Voilà. Je veux avoir au moins 100 personnes connectées parce que je vais passer un message de sensibilisation. Voilà. Harry Marceau, bonsoir. Voilà. Voilà. Madeleine Yoda, bonjour. Bonsoir. Hello, hello, my sister. How are you? How are you? Good evening. Good evening. Et commencez à vous sortir de vos fenêtres maintenant. Mais je fais ça que quand c'est un direct important. Hein. Je fais pas ça tout le temps. Virginie Mireille, bonjour. Rebonsoir. Voilà. Voilà, vous voyez? Oh, donc je suis obligé d'aller vous chercher à la fenêtre. Hein? Partagez le live, targuez. Mettez les tags, targuez les gens. Coucou ma caridouce, comment tu vas? Mon amour de baisse. Maman. Maman, il y a une sorcière là, je l'ai bloquée. Comme elle est bloquée chez Marc La Rose. Comme j'ai une nouvelle page... La Rose Monégax, c'est là-bas qu'elle vient commenter, bien c'est Toli qui l'a quoi. Elle dit que montre les photos de ton mariage. Ta belle famille se moque de toi. N'importe quoi. Tu es qui? Pourquoi elle te montre les photos de mon mariage? Tu es qui? Hein? C'est mon alliance là qui te fatigue. Bah alors. Njunju, bijou. Kwabo. Bonjour. Coucou Diamande. Ma Diamande, mon amour de Diamande. Jeanne Zobo, comment tu vas, chérie? Bonjour. Ouais, ma Rose, bonsoir. Je voulais être en Caïman. Tu voulais être en Caïman? Bon, maintenant que tu m'as dit bonjour, tu peux repartir en Caïman, maman. Tu partages, tu repars toi en Caïman, maman. Est-ce qu'il y a un souci?
poisson braisé. Bonsoir. Puisque tu m'as dit, bonsoir, tu peux repartir. C'est un direct de sensibilisation. Je vais parler, je vais sensibiliser et j'aimerais parler ici à trois femmes vulnérables. Excusez-moi de le dire, hein. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas, je ne vous manque pas de respect. Je ne vous dénigre pas. Voilà. Parce que la vulnérabilité, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord? Voilà. Parfois, c'est un manque de confiance en soi quelque part. Cette coiffure te va à merveille, ma rose. Ah, Lily du continent, merci. Donc, je vais la garder alors. Heureusement que j'en ai deux comme ça. De temps en temps, je vais changer. Jusqu'en été. Donc, tout l'hiver, vous aurez ce visage de moi tout l'hiver. Ta soeur Cribienne a chargé Ruby ce matin. Maman, celle-là, hein, ça bouge son renouer partout. Elle peut voir une histoire, elle passe la route. Elle peut voir une histoire où elle va aller gratter un peu, elle passe la route. Elle ne peut pas. Bon, je vais demander qu'on me bip ici, là. Quatre femmes même, parce que même Ruby, je vais la mettre dedans. Oui. Parce que déception amoureuse, déception amicale, c'est presque la même chose. Alors, continuez à partager le live, pardon. Il faut que j'aie au moins 100 personnes connectées pour que je commence. On est à 60. À 100, je commence. Vous savez que moi, je ne demande pas souvent beaucoup. Donc, partagez le live. Voilà, je vais parler là des femmes vulnérables. Voilà, je vois une vulnérabilité en elles. Je vais parler ici là de la blogueuse compresseur, Tatiana Corny. Et je ne sais pas si elle est aussi la nouvelle blogueuse ou elle est devenue blogueuse ou elle est là ou bien je ne sais pas. D'elle aussi. De Oshiga. Et même de Ruby elle-même. Voilà. Donc partagez, pardon, s'il vous plaît. Maïkoba, je pense qu'on va commencer par Oshiga. Pour Oshiga, je vais vous mettre déjà quelques lignes. Coucou, Manelli. Comment tu vas, chérie? Oshiga, je vais vous mettre quelques traits. Lignes de son direct, ce que je vais aller chercher. J'ai vu ça où, là? Je vais chez Linda Monnery prendre. Wow. Ok. Linda Monnery n'a pas coupé pour Oshiga là. Ah non, ce n'est pas chez Oshiga. Sandra, s'il te plaît, descends. Hein. Descends. Il ne faut même pas venir me demander, déranger là. Tu es arrivé là, mon lait. Tu as écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un direct de sensibilisation. Je vais parler à quatre femmes. Elle compresseur. Voilà. Si j'étais pour la dénigrer, je n'allais pas l'appeler elle compresseur. Et donc, tu ne viens même pas me donner des injonctions sur mon live. Voilà. Soit tu restes là, tu écoutes. Je t'ai dit que moi, je ne clash plus. Mais je peux apporter mes points de vue sur la toile et sensibiliser. Je vais parler à elle compresseur. Je vais parler à Tatiana Corny. Et je vais parler à Ruby, comédienne, et à Oshiga. Voilà. Soit tu veux rester, tu écoutes poliment, soit tu pars. D'accord? Voilà. Tu recommences. Donc, vous êtes vous sûr que vous pouvez me museler ici sur la toile. Yel Meignet, Sombo. Alors, c'était, voilà, c'est ici que j'avais vu ça. Je commence par Oshiga. On va commencer par Oshiga. Voilà. J'ai commencé ça ce matin, mais après, je devais aller partir au travail. C'est ce Cameroun que tu veux. Le pire, c'est ah, Nice Anita, comment tu vas ma puce? Tu dois revoir. Le frère Massa était donc pour ouais. Déjà à Bordeaux. Pourquoi tu es parti chez ma femme? Donc, c'est le travail, sinon, quand ça t'arrange? Non, c'est, par contre, je vois quand très bien. Nice Anita. Tu as parlé du Dabi Kogo. Que oui, tu m'as fait chanter au Dabi Kogo devant 3000 personnes et tout. Non, c'est bien. C'est pas un problème. Mais n'oublie pas que la pende
tu as à côté de toi, qui est en train de parler de tribalisme, une fille qui ne sait même pas parler sa langue. Elle est venue squatter dans la maison de mon frère Bafan. Mon frère Bafan, c'est mon frère Bafan qui t'a hébergé à mère ta mère. Et qui a hébergé ta soeur Bassala, qui n'a aucune éducation et qui est venue filmer. Bonjour, Darben. Bassala était où? Parce que celle-là, c'est Black Jack qui devait la recevoir. Il a déchargé en route, il t'a appelé toi le petit larbin d'une petite prostituée sur les réseaux sociaux. Lui, parce que maintenant, je vais dire les choses. Vous savez, ma, attrape-moi si tu veux. Viens m'attraper si tu veux me taper, maman. Il paraît que tu m'as bastonné fort. Viens encore m'attraper. Tu as bastonné. Et mon bébé est toujours là. C'est un costaud, il a la tête très dure. Il faut croire que tu n'as pas connu assez fort, meuf. Bon frère, maman était où? Vous êtes bien, vous allez vous entasser dans la maison de mon frère Bafan. Vous partez vous entasser chez mon frère Bafan, pourquoi? C'est la question, mais quand même. Et tu veux parler de tribalisme? Tes soeurs Bafan qui sont ici sur TikTok, tous les jours elles sont dans le tribalisme ici sur TikTok. Tu as dit quoi? Seigneur. Quand tes soeurs Bafan sont venues ici insulter ma carrière, hein? Dis comment? Et voilà, qu'est-ce qu'elles ont même dit sur moi là? Tout ce qu'elles ont dit sur moi là. Tout ce qu'elles ont dit là. Voilà. Tout ce qu'elles ont dit là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi faire? Je suis venue porter. Je suis. Elles sont dans ton palais, non? Toutes les bassins qui m'insultent là. Elles sont dans ton palais, non? J'ai porté tous les bassins avec. Hein? Moi, j'en ai marre que vous instrumentalisiez le tribalisme. Je sors parler en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Oshiga, je vais quand même commencer par te dire que tu la fermes. Parce que tu les as encouragés à instrumentaliser ce tribalisme. D'accord? Voilà. Ce n'est pas quand ça t'arrange. Tu les as encouragés à instrumentaliser ce tribalisme. Tu étais artiste. Oshiga, ce que je vais te dire, c'est que tu joues les femmes fortes, mais tu es trop vulnérable. Tu es vulnérable, ma petite soeur. Tu es une femme vraiment vulnérable, ma petite soeur. D'accord? Salut, Nana Cameroun. Tu sais, un enfant, c'est bien vrai, c'est beau, oui, c'est un enfant, c'est bien. Faire ses enfants. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, pour le bien des enfants aussi, il faut les faire. Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère responsable pour une éducation. Les erreurs, ça peut arriver une fois, oui. Deux fois, oui, en concert, mais trois fois, non. Trois fois, non, Oshiga. Parce que là où tu es là, avec ton bébé que tu as dans le ventre là, si c'est vraiment le bébé, parce que moi, jusqu'à présent, je ne crois pas. Parce que vous deux là, toi et ton tintin là, vous êtes trop fort pour le buzz. Vous êtes tellement fort. Tant que je ne vois pas que Oshiga a touché, elle a porté le bébé comme ça, là, juste ça, le bébé fait rien entre ses mains. Je ne crois pas. Mais bien, bon. Si tu es vraiment enceinte, félicitations. Mais, je peux te dire que Oshiga, franchement, pour une fille qui se dit intelligente, pour une fille qui se dit tout savoir, pour une fille qui se dit être trop calme, que tu as la science infuse, ma chérie, laisse-moi te dire que tu as raté. Excuse-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est mon ressenti. Parce que toi-même, Oshiga, quand tu dois parler aux gens ici sur la toile,
tu prends ta caméra, tu te poses là et tu parles aux gens comme tu veux. Donc toi aussi, je peux te dire tes vérités. Tu penses que ta mère est fière de toi? Je ne pense pas que ta mère soit fière de toi. Cette pauvre maman, je ne pense pas qu'elle soit fière de toi. Je suis désolée. La Rose, je doute qu'elle soit enceinte. Et regarde son visage à ce stage. La grossesse, on devrait déjà avoir un changement sur le visage. C'est pour ça que je dis qu'eux là, ils sont prêts à tout le buzz. Mais je lui donne quand même son bénéfice du doute. Puisqu'elle veut à tout prix qu'on dise qu'elle est enceinte. D'accord? Mais c'est même pas parce que la grossesse, ce n'est pas une maladie, même si tu es enceinte. C'est pas parce que tu es enceinte qu'on ne va pas te dire tes vérités. Aujourd'hui, tu viens te plaindre. Tu, chaque temps, c'est toi qui sors, tu te plains d'amère qu'amère. Oui, tu remplis mon torch. Tu ne remplis pas mon frigo. Mais à un moment donné, vous nous saoulez. Vous nous saoulez. Quand deux personnes sont ensemble, on ne te dit pas d'aller fouiller un milliardaire. Karine a versé une larme. Karine aime beaucoup Oshiga. Karine a beaucoup aimé, je ne peux pas dire beaucoup aimé, aime beaucoup Oshiga. Quand deux personnes sont ensemble, c'est pour avancer ensemble. Mais toi, tu as vu ta part. Hein? Avec qui tu penses que toi, tu peux aller quelque part? Samé Kamé. Alors que tu sais très bien ce que tout ce que Amé Kamé pense des filles de ta région. Il est là juste pour vous utiliser. Pour montrer au monde entier. Tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que j'avais marre que vous instrumentalisez, vous utilisez le tribalisme pour instrumentaliser. Tu penses que Amé Kamé, il est tribaliste. Il ne l'a jamais caché. Et le monde entier le sait. Le monde entier le sait. Tous les Camerounais le savent. Et toi, à un moment donné, je ne sais pas si c'était l'amour, c'était l'aveuglement, c'était pas je ne sais pas quoi. Mais tu l'as bien accompagné dans ça. Où tu as lavé même toute ta communauté ici. Tu as lavé toute ta communauté ici. Mais je pense que c'est une stratégie pour annoncer la sortie de son nouveau son qui est en cours. Maintenant, tu es là, tu parles, oui, tu ne devais pas venir, tu es venu à Bordeaux, tu as fait ceci, et ça, c'est la première fois. Quand même, te manque de respect. Il t'a vu manquer de respect. Il t'a jamais apporté considération. Mais tu es là. Une belle fille comme toi, regarde-toi, Oshiga. Une belle fille comme toi. Mais vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Regarde-toi, Oshiga. Est-ce que tu te regardes même dans le miroir? Coucou Antoinette Wan. Il est tout le temps en train de te chiffonner. Tu es tout le temps en train de venir faire les lives. Tu pleures. Après, on vous revoit encore ensemble. Et après, il te chiffonne encore. Et tout le temps. Si, franchement, tu es enceinte, il est temps que Amé Kamé prenne les choses au sérieux. Que vous m'amenez une vie sérieuse. Mais rien que même pour le bien de l'enfant que tu es dans le ventre. Mais est-ce que tu as alors la première? Bonsoir, venez, j'aime. Est-ce que tu as alors la première? Avant toi, il y en a. Avec qui il a fait des enfants? Tu as même déjà entendu un mec quand même parler même de ses enfants, même ici là un jour, que oh, mes enfants, jamais.
Maintenant, tu viens casser le tympan aux gens. J'en ai marre que vous utilisez le tribalisme. J'en ai marre que vous utilisez le tribalisme. Quelque chose que toi-même, tu as encouragé. Hein? Vous étiez chez mon frère Bafang. Vous étiez chez ma frère Bafang. Hein? C'est dans la maison de mon frère Bafang que vous étiez. Hein? C'est ce que toi-même, tu es en train de faire. Le tribalisme là que tu dis que tu en as marre qu'on est tout mal. Toi-même, tu es en train de le faire. Pourquoi tu insistes, tu précises qu'ils étaient chez ton frère Bafang, chez tes frères Bafang? Moi, l'écoute encore. Bonsoir. En tant qu'artiste, je ne peux pas tolérer cette division-là. Je chante pour toutes les ethnies. Pour toutes les ethnies. Parce que dans ton âge, tu dis quoi? C'est entre vous, non? Et Vanilleke, elle m'appelle encore pourquoi? Qu'elle n'a pas mangé depuis. C'est entre vous, non? Et Vanilleke. Sauf que même Longuin n'avait pas des nouvelles du promoteur. Parce que le téléphone du promoteur est resté dans un Uber. Le téléphone du promoteur est resté dans le Uber. Et quand il a récupéré son téléphone, je l'ai eu. D'accord, je suis bien rentrée, je suis bien. Ce matin, je vous ai dit sur TikTok. Je suis bien parce que j'ai vu le promoteur, ce qu'on devait, tout ce qu'il devait se faire, c'est fait. Donc, si tu es en train de pourquoi même Longuin n'avait pas les nouvelles du promoteur et tu le sais. Tu le sais puisque tu étais informé. Longuin m'a appelé devant toi. Donc, tu le sais. C'est quoi le rapport? Qu'on n'a pas, on n'a pas. Saboter parce que c'est aussi Chiga qui précède. Tu m'aimes trop, adieu moi. Tu m'aimes trop. Ne prends plus l'exemple sur le Ndabi Kogo. N'utilise plus le Ndabi Kogo comme bouclier parce que tu veux me piéger pour que je tire sur le Ndabi Kogo. Je vais dire une réalité. La réalité étant que le Ndabi Kogo est une organisation à but non lucratif. Attendez, il y a quelques personnes là qui doivent bouger. Ah non, ça va. Bonsoir, Kamtachou. Le Ndabi Kogo est une organisation à but non lucratif. Ça veut dire quoi? Que quand je chante au Ndabi Kogo, je ne suis pas payé à main caméra. Je ne suis pas payé. Et ça ne me dérange pas, mais c'est un fait. Le promoteur qui m'a appelé là, il m'a payé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne viens pas manipuler les gens en disant que, ouais, comment il peut interdire qu'elle vienne avec son gars? Je vais refaire le live là pour vous faire écouter ce qu'il a dit. Parce que je suis sûr que les pages ont posté. Je vais récupérer ça sur TikTok. Et je vais vous faire écouter ça ici là, sur Facebook. Vous allez me dire si c'est normal. Et c'est l'attitude d'un adulte, je précise, d'un adulte responsable. Ok? Il n'est pas responsable, mais tu es enceinte de lui, Mamisa. Tu portes son enfant dans le ventre. Et alors qu'il n'est pas responsable. Oshika, tu t'entends même parler. Et bonjour, El Rodriguez. Tu poses la question si c'est le comportement d'un adulte responsable. Il n'est pas responsable. Voilà. Toi, la réfléchie, la mature, celle-là même qui a la science infuse, celle-là même qui communique directement avec ses ancêtres, celle qui connaît tout. Mathieu portait son enfant dans le ventre. C'était aussi une décision des ancêtres, apparemment, parce que toi, tu causais des ancêtres, apparemment, les ancêtres te l'ont conseillé. Parce qu'au début, si tu nous avais dit que votre relation, c'est les ancêtres qui t'ont conseillé ça. Peut-être que le bébé TikTok qui est dans le ventre là aussi, là, c'est une approbation des ancêtres. Hein? Hein? Donc ça aussi, c'est peut-être que c'est les ancêtres. Hein? Franchement, aussi, quand tu es décevante. Hein? Envoyez mes cadeaux, t'as côté partagé fort. Ouais. Tu as été hébergé par un bafant. Non, j'ai pas fini. Et tu m'as dit que lui-même a envoyé sa femme.
celui qui t'a hébergé, malgré tout ça là, il a quand même envoyé sa femme à la soirée pour faire acte de présence, même si lui n'est pas venu. Ok? Une femme que la perverse que tu as traînée derrière toi pour aller dormir dans la maison de mon frère, hein? Ma, britannique. À 40 ans, on fait les enfants pour soi-même. Je ne refuse pas. Mais même quand on veut faire les enfants pour soi-même, on choisit quand même aussi la personne avec qui on fait les enfants. Je suis désolée. Ah oui, oui, à 40 ans, c'est là où... L'âge où on réfléchit même bien, maman. Hein? Oui, parce que les gemmes, là aussi, hein, maman. Maman, la rose, pardon. Elle a dit que c'est Amé Kamé, le père. Ou pas. Je ne sais pas. Maman, on écoute. Ne connaissait pas. Elle est arrivée là-bas, elle trouve un gars des réseaux sociaux. Le gars que Nana allait taper là où c'est Ricky. Pour une bouteille de whisky. Bonsoir, ah, bonsoir, Amour Mafo. Comment tu vas? Merci pour le gros cœur. Aux Alinguema, bonsoir. Qui est avec toi là? Quelque part, je n'en connais pas, c'est une fille de TikTok aussi. Elle ah, avait maman, ça, l'enfant est sorti sur ça. Je n'ai pas reçu. Oh, pétard. Hey! Je l'appelle. Maman. Coucou, mon fils, Milo Métis, comment tu vas? Deux, trois coupes de champagne, on donne rien. Ah, merci, mon fils. Waouh, c'est bien. Et les numéros. Suzanne Mora, bonsoir. Je viens vous dire que c'est le père. C'est l'ami de son père, c'est l'ami de ton père. Merci Seigneur, et merci, bonsoir. Tu sais quand tu viens au spectacle, tu ne l'appelles pas, tu ne demandes pas à ton père que donne-moi le nom de ton ami, papa, pour que tonton là sache que j'arrive. Eh oui, oui, ah, quand mon fils arrive alors, il bip seulement tout le monde, maman. Eh, hey, papa, ton bipage là, alors peut faire, les gens vont me tuer ici. Sinon tu tables, parce qu'il n'en pouvait plus. Et quand elle se lève pour aller chez elle, elle fait avec ce qu'elle a devant elle. Et éduque à sa manière. Maman, maman, c'est que l'éducation qui va sortir sur ça est grave. Hein. Maman, Brittany, c'est à toi que je réponds à ton commentaire. Hein. Hein? Brittany Mukend. Hein? Elle fait avec ce qu'elle a devant elle. Non, non, maman, ce qu'elle a devant elle. Donc ça dit qu'elle se sous-estime d'abord tellement elle-même que tout ce qu'elle a vu, qu'elle a vu devant elle. C'est Amen. Amé Clochard. Hein? Amé Cinglé. Elle est dans l'éducation. Elle-même Cinglé. Amé Cinglé. Deux Cinglé. Donc, tu peux donc imaginer l'éducation que l'enfant là aura. En tout cas. Pourtant, tu es en train de gérer celui qui a payé ta boisson. Donc, ça va faire. Toi, on va lancer les directs sur toi. Oh, je m'en fous. Je m'en fous qu'on lance les directs sur moi. Est-ce que les gens d'abord ceux qui lancent les directs sur moi? Quand mon fils atterrit, maman, il bip seulement, maman. Tout la ruche atterrit ici, maman. Après les cœurs des gens. Oh oui, la ruche est baissée chez elle. Oui. Je suis un membre de la ruche. La ruche va tout se baisser sur moi. Ça n'échauffe pas. La fille là ne sait pas dans quoi elle est entrée avec cette grossesse. Elle va devenir folle ici, maman. Eh ouais. Ah, elle a bien voulu. C'est elle qui a voulu. Elle est blanche. Qui a voulu. Quand je regardais cette fille au début, je me rappelle. Je vais toujours le dire ici et je l'ai toujours dit. J'étais tout le temps dans la page d'Oshida. Elle parlait tellement bien. Je parle de ses débuts, début. Hein. Elle parlait tellement bien. Elle parlait des ancêtres. Elle, quand elle prenait les sujets politiques, elle s'exprimait bien. Elle détaillait bien, elle décortiquait bien le sujet. Quand elle prenait le sujet panafricain, elle le détaillait tellement bien que tu avais envie de rester sur sa page. Maman, je les laisse parler, mon fils, c'est ce que je les gêne. Que tu avais, grâce à vous, à vos partages, parce que ma page était tellement restreinte, que restreint, elle est même toujours restreinte. Et grâce à vos partages, l'algorithme libère un peu. De cela, une semaine, je ne pouvais pas partager une vidéo sur ma page. Aujourd'hui, là, je partage les vidéos, je fais les réels. Je ne pouvais même plus faire les réels sur ma page. Parce que j'ai tellement signalé l'algorithme. Grâce à vos partages, je vous dirai toujours merci. Si tu niances avec le fou, tu fais le bébé avec ton fou.
Yawa. Donc, elle s'exprimait tellement bien que je ne... Jusqu'à maintenant, quand je regarde Oshiga, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé sur sa tête. Comment elle a fait pour se retrouver avec Amer, le fou du village. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la crise de la quarantaine à Rose. Elle a réagi comme... Elle réagit comme une ado. Tout ça. Je n'arrive pas à comprendre, je vous dis. Quand une fille qui se dit aussi intelligente, qui se dit comment, comment? C'est vrai que Oshiga avait une bonne ligne éditoriale. Le message, je dis que je la suivais. Je suivais cette fille. Elle avait une bonne ligne éditoriale que je n'arrive pas à comprendre. Comment elle a fait pour se mélanger les pédales jusqu'à se retrouver avec mes camées. Rondel Côté, bonsoir. Ce sont les gris-gris. Ah, ma, je ne peux pas, je ne sais pas. Jusqu'à le bébé est sorti sur ça. Ce qu'elle avait te dit, je vais pas trop m'attarder sur toi. Je vais seulement te dire bonne chance dans ta grossesse. Voilà. Beaucoup de santé. Il faut que le bébé soit en santé. Parce que tu vas passer par beaucoup de choses, hein, parce que tu connais la grossesse avec les émotions. Et elle t'a vraiment laissé au carrefour, Karine. Elle t'a laissé au carrefour, maman. Je sais comment Karine aimait Oshiga. Karine aimait Oshiga. C'est pas sa faute, c'est les marabouts de Mandonga. Hey! Elle est allée avec le mec là à cause de Mafo. Elle pensait que la légende était sortie avec lui. Hey! Bon, pour Oshiga, là, on ne va pas s'attarder sur ça. Ce que je lui souhaite, je te souhaite bonne chance, hein, maman. Bonne chance. De toutes les façons, une femme fait d'abord ses enfants pour soi-même. Tu comprends? Mais, même quand on fait les enfants pour nous-mêmes, il faut le dire, hein, c'est vrai. Une femme fait d'abord les enfants pour soi-même. Mais même quand on fait les enfants pour nous-mêmes, chaque enfant a besoin d'une figure maternelle et une figure paternelle. Quand vous voyez certains enfants, certaines filles, quand elles grandissent, elles ont souvent ce besoin-là. La majorité de ces filles-là aiment souvent aller sortir avec les personnes un peu plus matures. C'est parce qu'elles n'ont pas eu cette figure maternelle. C'est parce qu'elles n'ont pas eu... Je prends l'exemple sur les filles, hein, et les garçons aussi. C'est parce qu'ils n'ont pas eu soit cette figure paternelle, soit cette figure maternelle, le plus souvent. Donc, franchement, les erreurs, ça peut arriver. Le plus souvent, quand on se met avec un homme, après mon bord, c'est pas parce qu'on veut se séparer. Mais les circonstances de la vie peuvent le faire. Mais quand tu fais il y a un enfant, une erreur, je le dis encore, une erreur, oui, on peut comprendre, c'est une erreur. Deux, on peut en comprendre, mais toi, ma, toi, consciemment, ça dit que Trimuna, tri est un peu différent, voulu consciemment. Ma chérie, pensons aussi souvent à ces enfants-là. Voilà. Exactement, les filles finissent toujours par sortir avec des manipulateurs et des pervers narcissiques. Voilà. Donc, franchement, de nos jours, pensons souvent aussi à demain. Soyons moins égoïstes. Prenons de la mère de Oshiga. Nom de père. Prenons de la mère Oshiga. Nom du père Kaf. Ah, d'accord. Ok. À quel genre de père même? Pour Oshiga, c'est un garçon. C'est ce que je pense avoir entendu. Ah, donc elle a fait l'échographie jusqu'à ce qu'elle se dise que c'est un garçon. Même si c'est un garçon aussi a besoin de la figure paternelle. Hein? Oui, oui, oui. Parce que le garçon aussi a besoin de la figure paternelle. De toutes les façons, un enfant a besoin d'une figure paternelle. Je l'ai dit à connaissance de cause. Oui. Parce que, avant que je me mette avec Hervé,
Hervé, je me mets avec Hervé. Amina avait quel âge? Amina, elle avait quel âge? 8 ans. 8 ans, ah voilà, merci mon père. Elle avait 8 ans quand je me suis mis avec Hervé. Et elle avait ce manque de figure paternelle que Hervé lui a donné. Ça, je peux vous le dire. Elle avait ce manque de figure paternelle. Aujourd'hui, c'est une femme. Peut-être j'aurais continué et je n'aurais pas trouvé Hervé. Et je dis merci. Je remercie Dieu tous les jours. Parce que je suis une femme, je prie beaucoup. Je prie, moi, je prie beaucoup. Et je suis très croyante. Et je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin Hervé. Qui est une bonne personne, qui a une âme pure. La Rose, je suis d'accord avec toi. Qui a une âme pure et qui a pris ma fille comme si c'était sa propre fille. Comme si c'était sa propre fille. Et elle a eu cette figure paternelle-là qui lui manquait, parce que ça lui manquait, je ne peux pas vous mentir, ça lui manquait. Elle a eu ça. Aujourd'hui, c'est une femme pleine d'assurance. Peut-être j'aurais continué comme ça sans la présence de Hervé qui a fait cette figure partenaire, qui a apporté cette figure partenaire à ma fille. Elle serait peut-être aujourd'hui un manque d'assurance, pas possible, parce que ça l'a manqué en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Oui, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que, oui, nous les femmes, hein, la majorité, oui, j'ai fait mes enfants, j'ai une femme fait d'avoir un enfant pour elle. Oui, c'est vrai. Une femme peut être une mère, une père, un père pour son enfant, c'est pas faux. Mais, quand Dieu a fait en sorte que, quand Dieu a fait en sorte que l'homme et la femme doivent s'accoupler, afin qu'un enfant vienne au monde. Il n'était pas bête. Ah, maman, on parle aussi dans Larissanga. On parle aussi pour nous. Il n'était pas bête. C'est pourquoi vous voyez sur certains couples, même quand ils se séparent, vous voyez certains couples, ils se séparent. Mais pour le bien des enfants, ils restent en bon terme. Pour que les enfants aient toujours cette présence-là. Le père est là, la mère est là. Jusqu'à ce qu'ils puissent avoir, cet esprit de comprendre que papa et maman ne sont plus ensemble. Il y a toujours cette harmonie. Donc, c'est bien beau. On est en France. Il y a la CAF. Oui, qui vous sert de paix, mais vous savez aussi que la CAF vous sert de paix jusqu'à un bon bout. Mais il y a les choses que le père peut faire, les conseils qu'un père peut apporter, la figure partenaire, parce que la CAF n'est pas dans les maisons avec vous. Surtout vous qui êtes accro aux réseaux sociaux. Vous vous levez le matin, vous vous lavez, vous êtes assis sur TikTok. Parfois, les enfants sont obligés de tout faire seuls. Une petite fille de 5 ans, elle va se laver, lever seule. Elle va se laver seule. Une petite fille de 5 ans se lave son poitou. La mère est sur TikTok. Hein? Mais tu te... Avec tous tes 10 doigts. Au lieu de te donner à ce voyou. À ça? Hein? Donc, pensez aussi à ça. Pensez à ça. L'enfant, c'est toujours quelque chose de... C'est quelque chose de bien. Mais, mon fils a été dans le déni suite à la grossesse avec sa copine. J'ai tout fait. Qu'il est sorti du déni
où l'enfant est à un enfant a besoin de ses deux parents pour son équilibre. Merci. Merci. Un enfant a besoin de ses deux parents pour son équilibre. Un enfant a toujours besoin d'un visage, d'une figure maternelle, une figure paternelle. Oui. Donc, en ce qui concerne aussi, là, j'ai fini. Ce qui concerne le Shiga, j'ai fini. Maintenant, je prends maintenant le volet compresseur et Tatiana. Je vous ai convoqué ici, tout des deux. Compresseur et Tatiana, je vais parler en tant que femme. Oui. C'est une femme qui va parler. Parce que, franchement, excusez-moi de vous le dire, mais vous faites honte à la femme. Coucou Queen Diamond, vous faites honte à la femme. Je parle ici aux deux. Parce que moi, cette histoire, je pense que c'était une histoire qui était déjà dans les oubliettes. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire. Qui a fait quoi? Qui a enlevé qui à qui a retiré qui à qui? Non, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vais juste vous dire, vous deux, en tant que femme, arrêtez ça. Parce que vous faites honte à la gente féminine. À vous faire cogner les têtes. À vous faire malarcer comme ça. Toutes les deux. Par un homme. Cet homme n'a de l'amour pour aucune de vous deux. Excusez-moi de vous le dire. Oui. Il n'a de l'amour pour aucune de vous deux. Parce que un homme, je peux comprendre, excusez-moi, je peux comprendre que, oui, il était avec Tatiana. Peut-être, vous voyez, parce qu'il y a souvent les couples, ils sont ensemble. Mais, pendant qu'ils sont là, les choses entre eux ne marchent plus, mais ils sont ensemble comme ça. Mais ça ne marche plus, ça dit que la flamme n'y est plus. Ça, je peux comprendre ça. Mais un homme responsable et que il est vu compresseur et sa flamme s'est allumée vis-à-vis des compresseurs. Mais un homme responsable, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as pris ta décision que tu n'es plus avec Tatiana, tu es maintenant avec compresseur, il faut la respecter. Les faits, parce que je vois les gens qui justifient ça, que oui, quand compresseur était parti au pays, l'autre est revenu. L'autre n'est pas revenu seul. Un homme qui se dit homme, qui connaît tenir sa braquette dans son pantalon, parce qu'un homme, ce n'est pas celui-là qui balade sa braquette. Un homme, c'est celui-là qui contrôle sa braquette. C'est-à-dire que tu as même la paire de fesses de Beyoncé devant toi. Tu aimes ta femme. Tu la, le truc là se lève, tu lui dis que couche-toi. C'est ça un homme. Excusez-moi. Mais c'est la vérité. Donc à peine un homme perpétue ça, c'est plutôt honteux. C'est ce que je suis en train de dire. Compresseur. Ce n'est pas pour te... Moi, j'ai dit que je te cache plus. Oui. Mais je peux venir pour sensibiliser. Non, non, je suis désolée. Il n'y a pas question de qu'un homme a le droit. Un homme doit se contrôler. Donc, tu ne peux pas être avec un homme. À peine tu tournes le dos, il est déjà en train d'aller voir ailleurs. Et tu humilies. Parce que le spectacle que tu as donné à TikTok l'autre jour, c'était pas beau à voir. Les gens ne vont pas te le dire parce qu'on va essayer de te caresser dans le sens du poil. Non. C'était pas un spectacle qui était beau à voir. Parce que même si tu veux arranger maintenant, tu as dit ce que tu vis. Tu as dit ce que tu ressentais au fond de ton cœur. Ce que tu vis. Vous savez,
Parfois, il faut savoir quitter les choses avant que les choses nous quittent. Ça aussi, c'est la grandeur. Et savoir quitter les choses. Tu vis avec un homme que tu dis que c'est ton homme. Mais toi-même, tu dis de ta bouche que pendant que tu n'étais pas là, son ex est entré dans votre maison, a pris tes sous-vêtements. Tu continues à faire quoi avec cet homme-là? Jusqu'à ce que tu le ventes. Excuse-moi, ma soeur. Parce que c'est des trucs que toi, tu dis à Mondo Vision. Et c'est des trucs que quand tu décides de vivre le martyr, ton martyr, tu le gardes pour toi. Ton martyr, tu le gardes pour toi. Tu supportes ton martyr. Comment se fait-il que toi, tu vis avec un homme? Cet homme, c'est ton homme. Donc, moi, je suis ici, comme je suis ici avec mon chéri, là. Je pars comme je suis partie la dernière fois, je suis allée faire un mois chez ma soeur. Derrière mon dos, une femme vient ici. Elle prend mes sous-vêtements et je suis au courant qu'elle a pris mes sous-vêtements. Amen. Et soit c'est lui qui part de la maison, soit c'est moi qui pars. C'est ça qu'on appelle une femme qui se respecte et qui a de la poigne. Si tu n'es pas au courant, c'est autre chose. Mais tu es au courant. Et tu te mets à Mondo Vision, tu le dis. Ma soeur. Ma soeur. Non. S'il vous plaît, ne l'insultez pas ici, dans les commentaires. N'insultez pas compresseur dans mes commentaires. Parce que c'est un direct de sensibilisation. Ce n'est pas un direct pour l'insulter ou bien un direct pour lui manquer de respect. Non, ma soeur. Moi, j'ai honte à ta place. Marie-Thérèse, je t'appelle après. Attendez, je prends pas. Donc, celle-là m'a appelé seulement pour couper mon live. Elle donne trop de pouvoir à ce chien. Exactement. C'est un homme qui n'est pas... C'est un homme mesquin. Il n'aime aucune de vous deux. Il vous utilise à sa guise. Aujourd'hui, il fallait la voir comment elle disait que c'était normal. J'ai compris qu'elle a peur de ce. Non. Quand on a peur de se retrouver seul, tout le monde, chaque femme aime être, on aime bien être en couple. Voilà. Parce que un homme et une femme sont appelés pour être ensemble. Mais on est, quand on est en couple, c'est parce qu'on est heureux. En couple. C'est parce qu'il y a de l'entente. C'est parce qu'il y a de l'harmonie. Tu ne vas pas rester dans un couple où tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Non. Vaut mieux être seule que mal, être mal accompagnée. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de vous dire ici, le premier mari de la femme, c'est son travail. Parce qu'on ne connaît jamais de quoi il fait le lendemain. C'est même pas seulement le fait que toi et l'homme, vous pouvez vous séparer, non. La nature aussi peut le rappeler. La nature. On touche du bois. Si tu n'es pas une femme capable à même de te prendre en main, de te prendre en charge, tu vas faire comment derrière?
qu'il ne sera plus là. Hmm? Tu feras comment? Coco Yael, tu feras comment? Arrêtez de faire honte à la gente féminine. Je vous dis toutes les deux. Et même Tatiana, qui a accepté repartir avec ce mec, après que ce mec t'a quitté, ou tu es au courant que ce mec t'a quitté, de la manière dont il t'a quitté, avec l'autre, accepter, repartir avec ce mec, jusqu'à te coucher encore, accoucher encore avec lui. Toi-même, ça ne t'honore pas en tant que femme. Pour une femme comme toi, qui travaille, qui te lève le matin, tu te lèves le matin, tu travailles dur, tu bosses, tu as des grands enfants. Non. Même si tu ne veux pas rompre, même si tu ne veux pas rompre avec ce mec, définitivement, vous pouvez gagner des bons rapports. Mais le corps de la femme, c'est un temple sacré. Combien de fois on doit vous le dire? Si tu ne respectes pas ton corps, moi, un ex qui m'a déposé de la pluie des manières, qui m'a couvert de honte, par quelle alchimie je vais me repoucher, tu vas monter sur moi. C'est la vengeance de quoi? Ce n'est pas la vengeance, tu es en train de te ridiculiser. L'amour est mon style, bonsoir. Donc arrêtez. Le corps de la femme, c'est un temple spirituel. Oui, Yael, il faut le dire. Laissons les histoires de que on a nos petites guéguerres, nos petites tout. Mais disons les vérités. Moi, ce soir ici, je donne les torts de compresseur, je donne les torts à Tatiana. Arrêtez de vous faire manipuler, de vous faire trimballer, de vous faire ridiculiser par un mec qui n'a de respect pour personne de vous deux. Arrêtez. Ce que vous faites là, c'est une honte pour la gente féminine. Je le dis autant pour Compressor qu'autant pour Tatiana. Parce que le spectacle que Compressor a donné sur TikTok, ça prouve qu'elle-même n'est pas heureuse avec ce mec. Faut arrêter. Oui, tu n'es pas heureuse. T'es pas heureuse avec ce mec, ma soeur. T'es pas une laide femme. T'as la vie devant toi, ma chère, ma soeur. T'es une belle femme. Reprends ta vie à main. Qu'est-ce qui t'arrive? Apporte un projet. Pose un projet. La TK, c'est aider votre star. Qu'elle se prenne en main. Qu'elle se prenne en main. Et Tatiana, moi, je pense que ce que tu es venu nous raconter là, je te le laisse. J'espère que tu es vraiment sincère. Parce qu'arrêtez de foutre la honte aux gens, à la femme. Je le dis et je le répète encore. Le corps de la femme, c'est un temple spirituel. On ne s'adonne pas pour s'adonner. J'espère pour elle. Moi, je parle d'un pas ici. Et j'ai suivi aujourd'hui, c'est vous là qui induisez cette fille de compression en erreur. J'ai suivi un peu aujourd'hui dans le live de Dorcas, une dame qui est montée
Mais elle racontait de n'importe quoi. Oui, et en plus, en passant, Achille ne s'appelle pas Dicalo, il s'appelle Dicolo. Il faut arrêter de déformer son nom. Parce que c'est un gars de chez moi, il est de Kibombari, comme moi. Il s'appelle Dicolo, il ne s'appelle pas Dicalo. Il faut arrêter un peu. Vous n'aimez pas cette fille de compresseur. La preuve, là voilà, elle rentre là. Elle dit qu'elle va mettre un litchi. Ou que vous l'aidez à ouvrir un restaurant. Aidez-la. Hein. Ce n'est pas seulement venir l'encourager, venir raconter des inepties. Oui, elle a raconté comme quoi. Et l'autre était avec Tatiana. Qui vous a dit qu'un homme reste avec une femme parce qu'elle sait cuisiner ou elle ne sait pas cuisiner? Deux êtres humains qui vivent ensemble se complètent. Se complètent. Si Tatiana ne sait pas cuisiner, elle sait faire autre chose. Lui, il se complète. Par contre, n'importe quoi. Oui, et Tatiana ne savait pas cuisiner. Et l'autre savait cuisiner. Déjà, c'est mesquin. Moi, je peux comprendre cette période-là. Compresseur, qui était vulnérable. Elle était vulnérable. Parce que son mec n'était pas là. Il avait des problèmes. Elle se retrouvait seule avec un enfant. Devant elle, elle avait celui-ci qui a commencé à l'aider. Qu'elle a présenté à Tatiana, d'après ce que j'ai écouté, que c'était sa soeur. Et puis, il y a une histoire qui est née entre eux. Oui, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas... Oui, il faut le dire. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Mais tu ne vas pas venir justifier ça. Tu justifies ça. Donc, on te demande, Dorcas t'a posé la question, toi, cette dame-là. J'ai voulu monter, mais comme j'ai décidé que je ne monte plus dans les lives des gens, si j'ai quelque chose à dire, maintenant, je le dis sur mon mur. J'ai voulu monter, maintenant, j'ai dit que non. Je préfère, moi-même, quand je vais faire mon live, je suis blogueuse, je vais le dire sur mon live. Hein? Dorcas t'a posé la question que, si on te demande de conseiller la jeunesse, quel conseil donneras-tu à la jeunesse? Oui, mais l'autre ne savait pas préparer. Il a trouvé l'autre qui sort. Donc, tu justifies ça. Tu justifies que, donc, comme je suis assise ici, mon homme entre ici avec une fille. Il me la présente que c'est ma soeur. Quand moi, je sors, je pars au travail, ils sont en train de coucher. C'est ma soeur, elle est dans le besoin. S'il te plaît, maman, j'aimerais qu'on l'aide. J'aimerais qu'on l'aide jusqu'à ce qu'elle se trouve une situation. Hein? J'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, non. On est en Europe. C'est ta soeur, on va l'aider. On l'aide. Quand moi, je sors le matin, il part au travail, et il reste couché. Jusqu'à un bon jour, il me tape seulement ça sur le visage, que pap. C'est ça que tu justifies. Tu diras que quoi? Non. Parce que, oui, mais la Rose était tout le temps en train de faire les directs. Elle ne s'occupait pas de son homme. Et donc, comme elle faisait tout le temps le direct, oui, elle ne trouvait pas le temps de s'occuper de son homme. Mais il faut arrêter. 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 Si la fille se calmait sur les réseaux sociaux, elle allait la laisser. Oui, Ali Kanga, j'ai écouté ça. C'est pour ça que je dis que je ne donne raison ni à l'une ni à l'autre. Parce que c'est eux-mêmes qui ont donné le toupet à cet homme de l'air ridiculisé autant. Et c'est une honte pour la gente féminine que nous sommes. C'était devenu un tour de tirer de bras de fer. L'autre qui veut montrer que oui, comme tu veux faire le bras de fer avec moi, je fais si. Ainsi, entre-temps, lui, il profite. Il est au milieu, il vous malasse. Il vous... Mais attends. Arrêtez ça. Nous, les femmes, les hommes que vous voyez là, ils sont solidaires. Ils sont d'une solidarité que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais nous, les femmes, c'est toujours nous. Même la femme, quand il y a un problème, c'est toujours les femmes qui sont les premières à condamner d'autres femmes. Vous vous bagarrez pourquoi?
Hein? Entre temps, j'apprends même que le monsieur même, il est là comme ça, là, il est tout lui m'arrête. Je sais pas si c'est vrai ce que j'apprends. Donc vous êtes là, il est m'arrête. Qu'est-ce qui l'empêche de divorcer depuis pour épouser l'une de vos deux? Peut-être que parmi vous deux là, s'il épouse vraiment une, l'autre va comprendre que oui, j'ai donc perdu définitivement. Parce que même malgré le toqué porte, vous continuez à vous bagarrer. Dans un moment donné, arrêtez. Arrêtez de faire honte à la femme. Arrêtez. Oui. Parce que elle avait fait un direct où elle a bien parlé, où elle a dit que j'avais écouté son direct là, où elle a dit que oui, c'est faux, je lui avais demandé de te bloquer, il t'a bloqué, il n'y a plus rien de tout ça, j'ai le Vox où il dit qu'il te bloque, oui, montée descendue. Toi-même encore, tu vis encore à TikTok. Tu dis encore autre chose là-bas à TikTok. Est-ce que tu t'es réécouté ce que tu as dit? Ce que moi j'ai entendu sur TikTok. C'est-à-dire, ce que tu as dit sur TikTok, tu as confirmé ce que les gens disent de tout le temps. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Tu as confirmé ça sur TikTok, ma. Tu as confirmé ça? Tu l'as même traité de pervers narcissique. D'où la sortie de Linda, de celle qui te dépendait deux jours là. Comment on l'appelle? Lydia Miller, que j'aime bien suivre. Lydia Miller, elle t'a parlé, elle t'a tout dit. Linda Miller, t'as tout dit. Pardon, arrêtez. Reprends ta vie en main, maman. Maintes fois, ton histoire de page là. Même si on dit qu'il y a anguille sur rouge. La première fois où ta page avait disparu, tu es sorti. Tu étais dans la voiture. Tu as commencé à dire que, wow, mes propres problèmes sont chez moi. Quand je vais, les réseaux sociaux, personne ne peut rien me faire sur les réseaux sociaux. Mes propres problèmes sont chez moi. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça, ma soeur? Tu as entendu dans ton direct aujourd'hui, tu dis que ta tante t'a dit que même s'il y a quoi, les vraies femmes mariées, même s'il y a quoi, c'est à la maison. Quand tu venais parler, avant de venir parler sur TikTok là, tu ne savais pas que même s'il y a quoi, c'est à la maison. C'est ce que tu as fait sur TikTok là. Réfléchissez souvent avant de poser les actes. Quand on vient s'asseoir en public avec sa vie privée, ça veut dire que ça ne sent pas bon. C'est toi-même qui ramène. Reprends ta vie à mes mamans. Anikanga, tu mens. Elle est sortie avec le mec. Oui. Il y a que
les fous qui ne vont pas comprendre. Quand, tout, ta, ton passage sur TikTok, tu es venu carrément confirmer les doutes que les gens avaient. Tu es venu les servir ça sur un plateau d'argent. Ceux qui ne vont pas te dire ça, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Mais quand vous aimez souvent tout retourner en buzz, vous faites, après quand ça cuit sur vous, vous venez faire ces buzz. Donc, vous allez passer le temps à retourner vos vies en buzz. Chaque épisode de votre vie, vous faites le buzz avec. Chaque épisode de votre vie, vous faites le buzz avec. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, ben, je ne rien. Hein? Moi, je ne t'ai pas insulté, hein? Mais comme tel que je te connais, demain, tu vas passer ta caméra, tu vas venir me laver. Je suis tellement habituée. Au moment, j'ai dit que je ne t'insulte plus, moi. Je ne t'insulte plus. Mais, j'aime mal, ça, moi, j'ai honte. J'ai honte de voir certaines choses. Oui, j'ai honte. En tant que femme. Wama, que ça chez moi, toi, c'est seulement là pour attendre le Japon. Non, franchement, quoi. Voilà. Donc, que c'est toi, que ce soit Tatiana, je ne. Oui, Tatiana, elle a eu. Oui, comme ça s'est passé, comme ça s'est passé. Au début, c'est normal. Oui, ça te fait mal. Mais à un moment, c'est un moment, tu te ressaisis et puis tu passes à autre chose. C'est sans une grande femme. Hein? Tatiana, c'est sans une grande femme. Grande femme, ce n'est pas de dire, ouais, moi, et ouais. C'est ridicule. Moi, je regarde souvent. Mais attends, je regarde et je dis que, mais attends, tu es une grande femme. C'est-à-dire, tu balais tout ça. Tu finis de faire, ouais, dès qu'ils sont ton téléphone, on te voit encore là-bas. Hein? Jusqu'à tu veux aussi là, devenir blogueuse. On t'a dit que tu es blogueuse là, c'est facile, mamisa. Hein? C'est que tu es. Tu, là, c'est pas toi qui bouffe le djangui, hein? Parce que quand blogueuse là, le vrai Ndjangi que tu as bouffé, ma. Tous les gens qui sont en train de t'encourager à être blogueuse, là, ils ne seront pas là. Hein. C'est moi qui te dis. Mieux tu mènes ta petite vie tranquille dans ton coin. Hein? Comme on vous a dit que Facebook, il y a l'argent dans Facebook. Hein? Et puis ne faire. Hein? Et puis ne faire, c'est. Mais moi, mais va là-bas! Mais va là-bas! Mais moi, je ne vais plus! Mais va là-bas! Mais attends, je ne suis plus détente, mais je vous ai laissé, mais ça n'a pas. Dès qu'il finit, dès que tu finis de faire tes balabas là, il te saute. À la maison, quand il est devant l'autre à la maison. Oui, allô? N'appelle plus jamais ici. Ne fatigue plus ma maman. Hein? N'appelle plus. Elle aussi là-bas. Bloque là. Devant elle, il bloque. Il bloque devant elle. Dès qu'il sort, Ngomo, je vais passer là-bas demain. Je t'ai dit que je passe là-bas demain. Ya! Hey! Azambe! Mais réveillez-vous un peu. Deux belles femmes comme vous. Hein? Un homme vous malaxe comme ça. Hein? Après, tu viens encore t'asseoir. Ah, mais moi, je suis plus dedans. Je vous ai laissé. Eh bien, va là-bas. Et je suis plus dedans. Mais être blogueuse, ça, c'est pas facile. Hein?
Les gens qui sont en train de dire que tu dois oui, être blogueuse, ce n'est pas facile. Linda est montagne. Ce n'est pas bien. Hein? C'est ça? Hein? Être blogueuse, ce n'est pas facile. Faut laisser ça. La vie est courte, Tatiana. Reprends ta vie en main. Et compression, et toi, ce mec-là, mets-lui le feu, et soit il fait ce qu'il a fait. S'il n'a pas, il ne veut pas faire ce qu'il a fait, tu le bottes. Attends, c'est quoi? C'est la petite, c'est ton ami. C'est la petite. Tatiana est bien dans la relation. Elle est bien dans la relation, hein. C'est à quoi alors le cinéma qu'elle nous faisait l'autre jour là? Mais à cause de vous, mon enfant ne peut pas être président. L'enfant ne peut pas être président parce qu'on t'a bien la serviette. Tatiana, j'ai les vidéos ici là. Que moi-même j'ai attaché ma serviette comme ça, je suis en train de faire la pub de ma crème. Hein? Ton enfant ne va pas être président parce qu'on t'a vu avec la serviette. C'est juste parce que les gens ont instrumentalisé ça. C'est tout. Tu étais en serviette. Moi, je n'ai pas vu une nudité là. J'ai vu la serviette. J'ai vu une femme qui sort du bain qui a attaché la serviette ici. J'ai vu une femme qui sort du bain et qui a attaché la serviette ici. C'est vrai que c'est une photo qui est sortie sans ton consentement, ce qui n'est pas normal, parce que tu n'as pas, c'était pas son, c'est pas toi qui l'a publié, c'est vrai. Là, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais de là, elle dit qu'on a publié ta nudité, ma soeur. Ou la nudité, là, vous aussi. Pour le moment, peut-être, on publiera les nudités, mais pour le moment, moi, je n'ai pas vu les nudités. Je n'ai pas vu les nudités. Hein? Maintenant, c'est mon point de vue, hein? Voilà. C'est mon point de vue. Moi, mon point de vue, ma position sur cette affaire-là. La rose, il y avait autre chose. Tu n'as pas bien vu. Hein? Moi, j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Ah. Donc, moi, mon point de vue sur cette histoire, c'est pour dire que ni toi, ni que ce soit compresseur, que ce soit toi, arrêtez ce cycle. Ça ne fait pas, ça ne nord pas la gente féminine. Voilà. Il y avait un moment où on voit son ventre. Après, elle met la serviette. Ah, tu n'as pas vu la partie là. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu la partie là, ma. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir blogueuse? Si elle veut devenir blogueuse. Ah, ma, je n'ai pas dit qu'il y a une formation, hein. Pour devenir blogueuse, c'est très facile, mais c'est gérer le retour du blogging qui a les problèmes. Non, pour devenir blogueuse, hein? Oh, c'est facile comme bonjour. Tu prends seulement ta caméra, tu tapes direct, tu poses tu poses là, tu dis que connectez-vous, partagez, mais c'est le retour. Si, la rose, il y avait. On voit son ventre. Ah, d'accord. Ah, on voit son ventre. D'accord. Bon, mais de toutes les façons, hein, moi, j'ai compris. Le contexte n'est pas bon. Parce que ça aussi, c'est une violation d'intimité. D'accord? Il y a une violation d'intimité. Parce que cette vidéo, ce n'est pas avec son consentement. Ça, oui. Violation d'intimité, là, je suis d'accord. Mais c'est la partie de nudité là que je suis pas. Mais violation de son intimité, je suis d'accord. Il y a violation d'intimité. Parce que ce n'est pas avec son consentement que cette vidéo a été publiée. Là, je suis d'accord. Pour la violation de son intimité. Bon, j'essaie juste de mettre les choses dans leur contexte. Voilà. J'essaie de mettre les choses dans leur contexte pour rester le plus juste possible. Parce que c'est comme ça que je vais mener mon blog maintenant.
être le plus juste possible. Donc, moi, je dirais ici, pour conclure cette phase des deux femmes qui discutent, quand on cherche le nom, excusez-moi, hein, je sais que c'est votre chocolat. Hein? Pardon, c'est votre chocolat. Mais franchement, pour vous dire la vérité, vous discutez même quoi. C'est tout parce que les grands détails. Hey, Seigneur. Bon. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même elle ignore. Mais je vous dis que mes soeurs, mes deux soeurs là, à un certain âge, on ne fait plus les choses, c'est plus le cœur qui parle dans les relations. Ça, c'est les choses qu'on avait quand on avait 18 ans, 20 ans. C'est là où on faisait encore les choses de cœur là. Que quand le gars te bat, ça te fait mal jusqu'à un jamais. À l'âge où on a là, mon frère, c'est l'âge de la raison où quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un avec qui vous allez vieillir. Vous vous chamaillez même dans la maison, mais vous vieillissez ensemble là. Si vous ne pouvez pas vous vieillir ensemble, vous ne vous supportez pas, mon frère, séparez-vous. Chacun prend sa route. À 40 ans là, on n'est plus dans les histoires de que tu vas avoir là de ses pourriers. Hein? Ce qui m'intrigue, c'est qu'il semble être plus souriant avec... Ok. Justement, à un certain âge, c'est dû de trouver un homme. Donc, on doit serrer son... Mais tu vas le serrer. Pour le serrer, il faut que lui aussi se serre avec toi. Si tu le sais et que tout le temps, lui, il est en train de glisser pour aller serrer d'autres dehors. Mon frère, c'est quoi que tu sais? Tu sais quoi? Même tourbillon est plus... Ouais, Emma. Ouais. Donc, franchement, les femmes, les filles, revoyez-vous, hein, arrêtez. Moi, je parle en tant que femme. Parce que ça, c'est le genre de choses que moi, en tant que femme, franchement, c'est pas pour que je vous donne des leçons, non. Mais moi, en tant que femme, je suis allergique à ce genre de choses. Je n'aime pas voir les femmes qui se laissent marmener comme ça, là. Voilà. Moi, je mets tout ça là dans le compte de la fainéantise. Voilà. La femme est d'abord la mère de l'humanité. L'homme a le droit et le devoir de respecter la femme. Parce que toi, l'homme, quand la femme est placée devant toi, tu dois d'abord penser que la femme, c'est celle-là qui t'a porté 9 mois dans le ventre. C'est celle-là qui est ta sœur. C'est celle-là qui est ta fille. C'est celle-là qui est ta femme. Donc, un homme a l'obligation de respecter la femme. J'ai horreur des hommes qui prennent des femmes pour des torchons, qui les utilisent et qui se font passer des pervers narcissiques. Pour moi, c'est quoi ça? Hein? Et parce que je parle bien, mon frère. Parce que je sais faire mon blog. Donc, franchement, des pervers narcissiques, j'en ai horreur. Voilà. Et nous, les femmes, nous devons combattre. C'est vrai qu'il y a aussi les femmes aussi qui maltraitent les hommes, mais là, je suis dans le cadre d'un homme qui est en train de marcher sur deux femmes comme ça, là. Elles se laissent faire comme ça. Attends, à un moment donné, arrêtez ça. Arrêtez ça. La même histoire. Chaque temps, ça passe, ça finit, ça revient. Attends. S'il était même riche, je peux même comprendre que vous discutez pour un homme qui est riche parce que chacun veut tirer son épingle du jeu. Maman, vous discutez même qui? Lui-même, il est 11 devant 11 comme moi ici là. Hein? Vous discutez quoi? Hein? Vous discutez quoi? Faut arrêter. Voilà, donc moi, sur votre volet là, voilà ce que je voulais dire. Voilà mon point de vue sur votre volet. Maintenant, je prends le volet Ruby. Parce que Ruby, j'étais suivie 2 jours là. Voler Ruby. J'étais suivie 2 jours là. J'ai suivi bien tes directs et tout et tout et tout. Mais maintenant, je vais aussi te dire tes vérités, Ruby. Tu vas m'excuser, hein, ma petite. Ah, je vais te dire aussi tes vérités. Mais toi, je vais être un peu moins dur avec toi. Parce que tu es encore jeune. Et je suppose que à partir du moment où tu es encore jeune, tu as encore beaucoup à apprendre de la vie. Tu as encore beaucoup à apprendre de la vie.
Donc, Ruby, tu as dit beaucoup de choses que tu connaissais de ta copine. Il y a une partie où tu as dit, parlant de où c'est Reine Saba, Reine Saba, quelque chose comme ça, oui. Que oui, parce que Reine Saba avait fait quoi à Belle Johnson, la milliardaire des États-Unis. Celle-ci lui a dit qu'elle allait lui envoyer les gens pour ripper avec elle. Tu savais ça et tu as gardé ça pour toi, par loyauté. Ta copine a fait du sale à Lady Sonia. Tu dis que tu lui as parlé en privé, mais en public, tu es venu la soutenir par loyauté. Vous savez, j'ai l'expression que vous, les Africains, vous ne connaissez pas le sens du mot loyauté. Loyauté, ça ne veut pas dire que parce que je suis loyal avec toi, tu vas aller kilam quelqu'un. Je suis au courant que tu as kilam quelqu'un. Je ne vais pas te dénoncer, non. C'est moi-même qui vais appeler la police. Je vais dire à la police que c'est elle. Prenez-la. Vous, les Africaines, vous ne connaissez pas le sens du mot loyauté. Je te dis pourquoi. Parce que, comme tu connaissais que ta copine avait dit qu'elle devait envoyer les gens pour finir avec, ripper avec Reine Saba, et tu as gardé ça pour toi. Si c'était effectif. Bonsoir, Coco Gaufrey. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tes cœurs. Si c'était effectif et que les enquêtes commençaient, tu allais aller en prison avec ta copine. Parce que quand on allait commencer les enquêtes dans les interrogatoires, on allait arriver jusqu'à toi, son entourage. Puisque vous étiez les amis, vous appelez même bébé. Ça aussi, c'est une autre partie que je n'ai pas. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi deux femmes vous appelez bébé. Bébé, là, c'est pourquoi? Tu étais sa fille. Vous étiez les copines. On peut appeler sa fille bébé, oui. Mais vous deux, là, deux amis, deux femmes comme vous, vous appelez bébé, là, c'est pourquoi? Il va falloir que tu nous expliques ça. Pourquoi vous vous appelez bébé? Il y a même une partie où tu as dit que vous vous êtes chamaillé, où tu avais même déjà refusé même l'argent. Hmm? Merci, Claire Chani, Rosy. Vous vous êtes chamaillé, où tu avais refusé l'argent. Après, vous avez encore pleuré, vous deux, au téléphone. L'amour de ça sur nous. Vous avez pleuré au téléphone. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Après, tu as dit que, ouais, je pense que tout ceci nous arrive parce qu'on est trop éloigné. Comme je vais prendre mes vacances, là, c'est mon anniversaire. Et je vais venir. Je vais venir. Comme ça va renfoncer nos liens. Maman, c'était les liens de quoi? C'était les liens de quoi? Vous allez nous dire ça ici. Parce que la partie de bébé là, tant que je n'arrive pas à comprendre, comment deux mères comme vous, vous pouvez vous appeler que bébé? Vous vous appelez bébé là, c'est pourquoi? Hey! Hop, pata. Jusqu'à, tu dis que vous vous manquez, peut-être que c'est peut-être la distance qui fait que je vais venir alors. Tu arrives même aux États-Unis. Parce qu'on se manque. Hein? Tu arrives aux États-Unis, le bébé ne te ramène même pas à la maison. Non, moi, je puis, je n'arrive pas à comprendre. Ça donc renforce le lien de ça. Ouais, puis d'ailleurs, ce n'est pas facile. Hein? La partie de bébé là. Je vais comprendre. La partie de bébé là, ça ne passe pas dans ma tête. Depuis, je n'arrive pas à comprendre. Que, mais attends, les deux filles là s'appellent même bébé comme ça. Pourquoi même? Pourquoi deux mères, deux mamans, deux femmes adultes, pourquoi vous appelez bébé?
Ruby, tu dois nous expliquer pourquoi vous vous appelez bébé. C'est trop facile. Hein? Et tu dis que tu as supporté par loyauté. Donc tu supportais tout ça là, par loyauté. Vous les Africains là, allez encore bien étudier le sens de loyauté. Loyauté ne veut pas dire... Hein? Pour vous là, ce n'est pas la loyauté. Hein? Vous faites des alliances machiavéliques, vous appelez ça que la loyauté. Tu es au courant que quelqu'un dit qu'il va faire du mal à quelqu'un. Tu gardes ça pour toi par loyauté. Tu es complice. Ça, c'est des alliances machiavéliques. Parce que quand elle dit ça là, ça veut dire que pendant qu'elle est en train de te dire que je vais lui envoyer les gens, on va finir avec elle. Ça veut dire qu'en bas, il y a d'abord un dieu congossa, le fait sort. Il y a d'abord un dieu congossa pour que ça n'arrive là. Donc c'est une alliance machiavélique. Aujourd'hui où ça cuit sur toi, aujourd'hui où ça toi-même ça te rate. Aujourd'hui, elle t'appelle serpent. Elle dit que quand le serpent, tu nourris le serpent, tu fais ceci, le serpent va toujours... Ah. Hein? Hein, Lily Gwet, elle s'aimait beaucoup, hein? Tu l'appelles ta copine bébé. Tu appelles ton fils ou ton gars comment? L'autre aussi m'a l'air dépassé. Non, Queen Diamond, vous riez comme ça, là, ça m'a dépassé. Comment deux filles peuvent s'appeler bébé? Que vous êtes que les copines? Non, il faut nous dire la partie là. Hein. On nous dit ça. Bébé. Hey. Maman, bébé sur nous, maman. Hey, j'ai d'abord cru que j'ai mal entendu. Hein. Hey, bébé, elle m'a dit que bébé, Ruby, on était assis ici. Que tu as dit que Ruby, la comédienne, nous on a accepté. On t'a bien accompagné dans ta comédie, dans ta vente de perruques, jusqu'à quand tu allais bagarrer à l'aéroport. Même la bagarre de l'aéroport, l'explication de ça. Nous, on n'a pas bien compris l'explication de ça. Comme tu étais notre Ruby comédienne, nous, on t'a soutenu, toi. Hein? On t'a soutenu, on a dit que oui ou non, machin, truc, que whatever, que chose. Mm-hmm. On a laissé. Après un moment, tu es resté que tu as pris notre comédienne là, tu as mis de côté. Tu as dit que petite femme forte. Après ta bagarre, hein. Parce que petite femme forte là, c'est quand tu as fini ta bagarre là-bas. Donc du coup, tu as vu que tu étais la cousine de Francis Ngannou. Jusqu'à tu as mis que Ruby, la petite femme forte. Même ça là, on a accepté. On veut s'asseoir. Tu es déjà aux États-Unis, que tu es déjà la milliardaire. Ruby, la milliardaire. Et on a dit que, ah, comme notre comédienne est passée à la petite femme forte, aujourd'hui elle est montée à milliardaire. C'est l'évolution, non? On a assise. Maman, c'est le nagage que tu voulais voir. Oh, ma copine a acheté la Range Rover. La Range Rover. Déjà, ton Range Rover là, tu n'as pas vu. Et... Oh, Rubio. Déjà, on a assis comme ça ici. Dans tout le royautisme que tu nous as fini ici. Allez là. Moi, je ne suis plus à votre niveau. Je suis Ruby la milliardaire. Oh, maman, je ne marche qu'avec les milliardaires. Ma copine a acheté la Range Rover. Ma copine a conçu la maison. Déjà, dans tout ça là. Toi-même, Range Rover là, tu n'as pas vu. Maison là même, tu n'es pas passé à côté. On peut faire ça, Adama. Dans tout ça, vous vous appelez bébé. Oh. Maman,
On peut aimer son bébé comme ça jusqu'à le bébé se déplace jusqu'aux États-Unis. Pour te montrer que la Range Rover existait vraiment, on allait filmer l'accident de quelqu'un. Que ouais, j'ai fait l'accident, et Antiana Mugu. Hein? Coucou Sandrine. Coucou bébé chéri. Hein? Tu t'es levé ici. Avec ton titre de milliardaire. Tu as grimpé sur notre comédienne. Monica. Celle qui nous a bercé avec sa comédie. La vraie comédie. Pas vos comédies, même que parfois tu parles. Moi-même, je suis juste. Moi-même, je comédie plus que toi. Allez là. Parce que ton talent de comédienne là-même. Peut-être c'est maintenant que tu vas récupérer ça. Hein? Peut-être c'est maintenant que ton talent de comédienne là va encore revenir. Comme les milliards vont partir un peu sur toi là. Hein? Et t'as dit que là où on est là, commence à réfléchir. Hein? Replante ton rubis comédien. Milliards là, enlève ça sur toi. Pour l'instant. Voilà. Parce que tu es revenu nous retrouver ici sur terre là. Ce qui est juste ça, tu es revenu nous retrouver là. Mm-hmm. Tu es revenu sur terre nous retrouver. Dans l'air, comment il n'y a pas enlevé milliard? Tu remets comédien. Parce que c'est ça qui allait bien avec toi. C'est comédienne là qui allait bien avec toi. Remets ça. Et tu as déjà beaucoup parlé aussi. Parce que quand tu parles, tu as expliqué, on a compris. Jusqu'à preuve de contraire, l'autre ne sort pas. Et tu sais que quand il y a un problème, même chez le juge, même celui qui a tué, je ne sais pas, même s'il a tué tout un village, qu'on l'accuse, quand les plaignants se plaignent, on écoute les plaignants, lui aussi on l'écoute. Donc, comme l'autre a décidé que pour l'instant, elle n'a pas encore parlé, donc je pense qu'il est temps que toi, nous aussi, le reste qui est dans ton ventre là, pour l'instant, garde d'abord. Sinon, tu risques de balancer toutes tes munitions. Et quand l'autre va maintenant sortir, qu'elle va venir mettre pas, tu n'auras plus rien à vous servir. Hein? Parce que hier, là, tu as fait au moins 4 directs. Wow, elle m'a fait ceci. Oui, j'ai eu mal. Oui, j'ai eu ça. Même comme à l'heure, si là, ton talent, on sait, je sais, que ton talent de comédienne m'a fait revenir. Parce que le direct que tu as fait samedi là, les pleurs que tu as fait à la fin là, ça c'était pas les vrais pleurs. Hein. Les pleurs que j'avais fait le matin, ça c'était les vrais pleurs. Mais les pleurs que tu as fait le soir à la fin de ton direct là, ça c'était la comédie. Hein. Pour ma part, c'est bon que Ribi arrête comme ça. Et connaissent nous les Camerounais, on va encore se verser sur exactement. C'est ce que je m'ai décidé de lui dire ce soir. Reprends ta vie en main. Tu as expliqué. Ton ventre n'est pas le magasin. Tu as supporté. Oui, à un moment donné, tu n'en pouvais plus. Tu as vomi, on t'a écouté. Maintenant, reprends ta vie en main. Seulement si l'autre sort encore. Et quand l'autre va décider de sortir, ce n'est pas qu'elle va sortir, pac, tu vas sortir, pere, elle va sortir, pac, non. Si l'autre décide de sortir, tu laisses, elle baisse. Quand elle finit de baisser, tu prends même 2 ou 3 jours. Maintenant, tu viens, tu mets pas. C'est comme ça. Mais depuis là, tu as trop parlé, c'est bon comme ça maintenant. C'est bon. Maintenant, vous les petites filles, ouais, là aussi là. Vous n'avez pas dit que vous nous minimisez. Parce que la rose se lève le matin. Elle soulève son sac à dos et jette derrière son dos. Hein? Vous connaissez ma vie. Vous connaissez par quelle étape, par quelle péripétie dans ma vie je suis passée. Mais grâce à Dieu, je suis tout debout. Pelin. Je le rends gloire. Vous allez me voir, vous allez me minimiser. Hein, celle-là, elle a 20 ans. Elle n'avait rien. Hein? Elle n'avait fait quoi? Maman, je suis en santé et je marche tête haute et poitrine bombée. On va pas me doigter de la rue que vendeuse des rêves.
Vous, les petites filles, là, vous n'avez pas dit que c'est les vendeuses de rêves là que vous aimez. Ça vous rate. Mm-hmm. Vous êtes assis sur ces réseaux sociaux là. À manger, vous n'avez pas. Hein? Quand vous gagnez 1 000 francs ou 500 francs, vous partez charger la collection pour venir suivre les vendeuses de rêves. Hein? Les nous comme ça là. Quand on vient vous dire la vérité, vous nous insultez jusqu'à votre connexion finie. Vous nous insultez jusqu'à votre connexion finie. Vous aimez les vendeurs de rêves là. Ceux qui vous vendent le rêve. Hein? La vie des paillettes. C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez, non? Ça vous rate. Vous avez vu? Apparemment, il y a des applications maintenant où. Donc, moi-même, là, à l'heure, c'est là, si je veux être milliardaire, je suis milliardaire. On a dit que l'application là s'appelle qui? Pinkan. Il c'est Pinking. Ou c'est Pinkon. J'arrive à m'asseoir souvent dans un immeuble comme ça, dans l'appartement, là. Donc, ça veut dire que tu utilises souvent l'appartement, l'application, et de l'application, tu te retrouves dans un palace. Hein? Palace, juste là, tu croises les immeubles comme ça. On dit, ouais, la rose a pêché. Mais c'est la rose, là. Nous, tous, on va être milliardaires ici à l'heure-ci. Vous n'avez pas dit que c'est les ventes de rêve que vous aimez. On va vous vendre le rêve. Vous aimez ça, non? Hmm? Ça vous rate. Eh oui, ah, j'aime tant ceci. Vous êtes là, piqui, en train d'insulter les gens comme ça, là, sur les réseaux sociaux. En train de laver les gens comme ça sur les réseaux sociaux. Oui. Ah, tu es jalouse. Ou tu es jalouse d'elle. Regarde-toi. Hein? Elle te dépasse. Maman, elle paie mes loyers. Mm-hmm. Mon abonnement que je prends tout le mois, là, pour entrer dans les transports du blanc ici, là, c'est elle qui paye ça. Elle te dépasse. Tu la vaux? Tu la vaux? Voilà les mots. merci, Yann Louis. Tu la vaux? Elle te dépasse. Jalouse. Regarde-moi. Elle a des choses comme ça, là. Hein? Avec sa tête comme. Pardon, va là-bas. Hein? Si l'Europe t'a dépassé, rentre ici. Tu la vaux? Tu la vaux? En tout ça, elle n'a pas mangé depuis le matin. Ces petits 100 francs qu'elle pouvait mal acheter la banane, malaxer. Pas en sorte que même ces petites soeurs à la maison mangent. Elle allait mettre la connexion pour venir mettre les likes et les j'aime à leur vendeuse de rêve. Voilà ça. Hein? Vendeuse de rêve de ça, maman. Hey! Non. Aïcha Kamouaz, je t'aime. Tu es une fille qui a les pieds sur terre. Et tu as tout dit, c'est quand tu parles, tout le monde, ah, tu aimes toi mettre ta bouche à l'époque. Il faut continuer. N'arrête pas, Aïcha Kamouaz. Oui, tu ne peux pas chercher les histoires dans leur chambre. Gardez vos histoires dans vos chambres. Si ça vient nous trouver sur la toile, on a le droit, le devoir et même l'obligation de parler. Et profiter pour sensibiliser les petites filles qui sortent comme la tisse. À la recherche de je ne sais quoi. Après, c'est pour finir en train de vendre le piment pour arriver. L'autre qu'on appelle que cocose ou c'est coqueuse de diamant, qu'est-ce qu'elle est devenue même? Il a vu l'autre jour, avec vous, c'est la crème de quoi qu'elle mettait ici, là. Hey, la crème pour faire la chirurgie, pour faire que les seins restent, quoi. Coqueuse de diamant, tu ne distribues plus l'argent, mamie. C'est le même là. Vous avez insulté Aïcha ici. Quand Aïcha est en train de vous dire que coqueuse de diamant, tes diamants sont passés où? Hein? Quand l'on va à la banque. Non, l'on ne va pas banque à Aïcha. Ouais! Non, Minga dit qu'elle va banque à Aïcha. Non, tu ne vas pas banque ta soeur. L'on ne va pas banque à Aïcha. Ouais, là, moi, Minga, c'est une vraie comédienne. Écoute, je vais te battre. Ouais, puis d'ailleurs, tu m'as fini. Ah, non, là, on ne va pas battre Aïcha. Coqueuse de diamants, tu es où? Mamie, tes diamants sont finis. Celle-là aussi, elle est sortie, on ne sait pas d'où. Là voilà, à Vision 4, comme le sait pas, moi je suis coqueuse de diamants. Diamants.
Tu as quel niveau, mamie? Avec un diamant. Hey. Maman. Oh, Kamaludo. Quand c'est des diamants, tu es à quel niveau avec tes diamants, non, mamie? Là, voilà. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle conque les cailloux. Conque les diamants, elle est venue conquérir les cailloux. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Il faut la voir, elle s'assoit. Conque celui de Pifette. Elle va vous parler d'une histoire toujours en train de vouloir. Même là-bas, le buzz, elle n'a pas pris. Oui, c'est une demain. Je suis triste parce que mon produit chaman, ou c'est chaman quoi là, une de mes copines que je vendais, elle a pris ma chose, elle a fait ce que. Même l'affaire là, c'est fini comment non, pour cause de diamant. Tu es à quel niveau avec ta fournisseuse, ou c'est ta fournisseuse, ou c'est ta représentante qui a pris tes produits, Chayanne ou c'est Chayanne quoi là. Chayanne, quoi là, son produit là, qu'elle vendait, elle s'appelait encore comment? Des menteuses et vendeuses de rêves comme ça là. Hein? Que oui, j'achetais à 1000 francs, je les vendais à 10 000. Et puis, j'ai conçu l'école. J'ai demandé que la fille, si on n'a jamais entendu parler d'elle, elle a conçu les écoles là, quelle année? Les écoles de coqueuses et diamants là sont à quel niveau, ma? Dites-moi. Merde! Ça dit que tu t'assois en pleine télévision, et elle nous ment, elle nous regarde dans les yeux, elle nous ment. J'ai dit que la fille s'est dit qu'elle a quel âge? Elle a conçu les écoles là, quelle année? Et comment? Oui, j'ai conçu les écoles, l'école de Winnie, l'école de... La personne qui te donnait son argent, qui l'a porté dans le fait là, qui l'a volé là, de blanchir, il ne te donne plus. Hein? Conquête le caillou. L'argent que tu blanchissais là, la personne ne te donne plus. Continue à venir nous vendre le rêve. Continue. Avec la complicité de certaines personnes qui travaillent dans le gouvernement, voler notre argent. On vient chercher les petites filles perdues comme vous là. Oui. Pour blanchir. Hein? Entre-temps, la moitié de tout un pays pourri dans la pauvreté. Ils n'arrivent même pas à manger un repas par jour. C'était moi. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas fait les dégâts collatéraux. Et s'il y a des dégâts collatéraux, je ne suis pas responsable. Oui. Comment ils décident de sensibiliser, ils sensibilisent. C'est comme ça. Dans jeunesse d'aujourd'hui, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Femme, homme, il n'y a plus de queue. On n'est plus à l'époque où, dans les années où la femme restait à la maison et l'homme pas travaillé. Non. Aujourd'hui, homme, femme, tout le monde. La femme doit se battre pour se faire une place dans la société et s'imposer. Et quand on voit les femmes comme les compresseurs et les Tatiana, hein? Qui laisse qu'un homme les m'amène comme je ne sais pas quoi, alors que cet homme est censé les respecter. Tu as fini ta relation avec Tatiana, quelles que soient les méthodes que tu as utilisées qui ne sont pas bonnes, chaque chose a un fin. Un homme, tu tapes la main sur la table. Tu dis, bon, aujourd'hui, maintenant que je suis avec Moussa, Tatiana, je suis désolée, je t'ai fait du mal, oui, mais franchement, il n'y a plus l'amour. Oui, l'amour finit, tout laisse. L'amour peut finir, tout laisse. Tu lui dis ça. Et tu vis ton amour avec un Moussa. Ce n'est pas que tu fais ping, ping-pang, ping-ping-ping, ping-ping-pang, ping-ping-ping, ping-ping-pang. Il faut arrêter ça. On en a marre. Et si vous voulez aussi être un couple à trois, c'est votre choix. Hein? Sauf que tu mets les deux par terre. Tu les dis, je t'aime toi aussi. Moi, je suis un homme brou. Me belève me bang. Je veux vous garder tous les deux. Donc, vous avez intérêt à vous entendre tous les deux. Celle qui ne veut pas part. Tape les mains sur la table. Tu les dis ça? Chez nous, en Afrique, la polygamie est autorisée. Hein? Même si vous ne vivez pas en Afrique,
Les Maliens sont souvent ici avec les quatre femmes. Hein. Les Maliens, ici en France, ici, là, ils sont là avec les quatre femmes. Ils vivent tous dans la même maison. Une seule est reconnue par l'État française. Mais tous les quatre, elles savent qu'elles sont tous les femmes du monsieur. Ils sont tous là serrés. Parfois même, c'est une maison de deux chambres. Les parents ont une chambre. Les femmes, là, le soir, tu les vois tous, chacun jette son matelas. Les Maliens, les Sénégalais, c'est là qu'ils travaillent. Chacun jette son matelas par terre. Ils cuisinent leur bol de riz comme ça, là. Hein? Les femmes mangent à un côté, les hommes mangent de l'autre côté. Ils vivaient tous là. Quand ils partent en vacances au Mali ou au Sénégal, ils ont construit les villas là-bas. Hein? Ils ont construit les villas. Quand ils partent là-bas, voilà. Mais ils sont en France ici, là, en mode polygamie. Hein? La polygamie n'est pas autorisée ici, mais ils sont là en mode polygamie. Le monsieur avait ses quatre femmes, il les a tous fait venir. Tous, ils sont là. Hey, Gloria, on a dit que quoi? La Rose, donc si mon beau frère Hervé vient avec une autre femme, tu vas accepter la polygamie. Hey. Ah, moi, je suis africaine, non. La polygamie est tolérée chez nous. Ça va me permettre de me reposer. Je n'accepte pas pourquoi. Je suis africaine. Sauf que je suis la reine mère. Je m'assois. Je dis, c'est moi qui lui dis que bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on va cuisiner. Tu sors le poisson. Tu sors. Tu sors le poisson. Tu sors. On va manger la sauce gombo aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je veux qu'on mange. Attends. Hey, je suis africaine, non, ma. Donc. Moi, je n'ai rien contre la polygamie, hein. On va même bien s'entendre, mon frère. Ok. Moi, je n'ai rien contre la polygamie. On s'assoit, même on finit de manger, on s'assoit, on tape même les divans ensemble, on regarde la télé. Mais est-ce que lui va alors gérer deux femmes? C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas un problème à la polygamie. Sauf que moi, c'est le respect. Tu respectes, quand elle arrive, elle respecte la hiérarchie. Elle sait que je suis la première. Voilà. Je suis la reine-mère. Elle me donne ma place de reine-mère. Voilà. Il n'y a pas de souci à ça. Moi, je n'ai pas un problème avec la polygamie. I don't have the problem. Donc, et je ne pense pas que Ngossa aura un problème avec la polygamie. Ça a Thierry de taper la main sur la table. Hein? Tonton Thierry. Tu assois les deux femmes là. Hein? Tu les dis. Que vos pépettes que vous faites là, que vous chamaillez comme les petites filles et qu'on vient les dévier là. Moi, je suis pas là. Hein? Je vous aime toutes les deux. Voilà. Je ne veux pas perdre l'autre. Je ne vais pas te perdre. Parce que toi, tu sais cuisiner. Tu cuisines bien. Avec toi, je mange bien. Je dors bien. La maison est propre. Ça sent bon. Hein? Toi, tu travailles. Hein? Ton salaire peut nous nourrir, nous, les trois. Tous les trois. Et attends. Hein? Donc, vous avez intérêt à vous attendre. Entendez-vous? Parce que vous gardez tous les deux. Voilà. Et fin de discours. Je ne veux plus entendre. Voilà. Et je ne veux plus rien entendre dans les réseaux sociaux. Hey! Avant, ça c'est un vrai homme. Tu es seulement là, tu es là, tu les fais, elles se bagarrent, elles se tirent. Voilà maintenant, l'autre qui dit que quand elle rentre du pays, elle va faire le like, elle ne laisse pas. Elle ne laisse pas que l'autre a raconté beaucoup de mensonges. Ben, il faut arrêter ça. Hein? Elle a raconté quel mensonge. Les mêmes choses qu'elle avait dit depuis là, dans le direct de. Sauf qu'elle n'est pas entrée dans les détails de tout si. Elle est aussi venue faire sa part de petit cinéma. Ah ben j'en veux plus. Ah ben attends le sûrement. Ah ben alors. Mais j'en ai pas. Mais j'en veux plus. Ah ben je suis fatiguée. Hein? Je veux plus. Seigneur Jésus. Bon, c'est ça. Je vous aime. C'était moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Que Dieu nous garde. Bisous, bisous, bisous.